Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Domgaine Ndiaye, Warul Tiit, Warul Ragal, Bon Magal, à toutes et à tous. Donc, nous avons vu que Ganagay, quel monde lime, n'y a pas de Paris Saint-Germain en ce début de saison, sans lime, Idrissa Ganagay, l'ancien joueur de Djambar, c'est l'événement de ce début de saison. Côté parisien, l'intégration d'Idrissa Ganagay dans l'effectif de Thomas Tuchel, adoubé par Neymar, Neymar doko tag, chéri par Thomas Tuchel aussi, d'abord Danouré Tikanamou, Idrissa Ganagay régulièrement loué par ses coéquipiers, Nyom Thiago Silva, Kipembe, Bernard, donc Nyom Thomas Meunier, Idrissa Ganagay fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Lui, mais à maintenir, bamuy ñew ñu bay dañu sceptiquon ñu bay dañu douté sur la carte d'Idrissa Ganagay à s'adapter au football du Paris Saint-Germain, mais gis nañ né les statistiques montrent que Ganagay s'est bien adapté au football du Paris Saint-Germain et il fait partie des joueurs incontournables. Mo tax ñu laccé, est-ce que Idrissa Ganagay mëna maintenir ce niveau toute la saison? Est-ce que Ganagay niveau bi mu démarrer ak Paris Saint-Germain dina ko mëna maintenir toute la saison? Donc on va essayer de vous donner des ébauches de réponses, des réponses par rapport aux statistiques. Donc meilleure évaluation de la Ligue 1, donc Ligue 1 Zori gëna nek ci forme, Zori gëna performant, Idrissa Ganagay moy le 3ème joueur derrière Neymar et Islam Slimani, l'international algérien de l'AS Monaco. Donc après une étude statistique, Neymar est premier avec 8,06. Islam Slimani 8,02 sur 10, Ganagay 7,71 sur 10. Donc Ganagay est le 3ème joueur le plus performant actuellement en Ligue 1 français. Donc benen bi moy cette saison depuis son arrivée, il enchaîne les prestations de haut niveau comme en témoigne ce graphique ci-dessous. Dans son évaluation par rencontre, donc par rencontre, Idrissa Ganagay, voici ses notes par match. Donc, donc moyenne Paris Saint-Germain, mon ex-souvenir en orange, 7,25, 7,19, 6,91, 7,17. Idrissa Ganagay, un moyenne par match, un autre par match, mon ex-tikao. Donc, les notes d'Idrissa Ganagay sont au-dessus des notes du Paris Saint-Germain. Donc, note Idrissa Ganagay d'un par match, mon gagne am dole, note moyenne Paris Saint-Germain. C'est pour dire Idrissa Ganagay, il sort du lot, il est beaucoup plus performant que l'ensemble de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc face à Madrid, amna 8,28, meilleure performance, c'est face à Angers, bim dougalé le but, donc 8,97. Donc Ganagay, vraiment, c'est un joueur de très haut niveau, but et passe décisif, dit ce Ganagay par saison. Donc sa meilleure saison, c'est lors de la saison 2014-2015, sa dernière saison avec Lille, où il avait marqué 4 buts, c'est en bleu, 4 buts, 2 passes décisifs en rouge. Donc, mais cette saison, il a déjà marqué en 8-9 matchs. Donc un but est délivré, une passe décisive. Donc Ganagay, vraiment, c'est un joueur qui est en forme. Donc passe clé par match, par donc, des joueurs du PSG en Ligue 1, passe clé. Passe qui a fait une différence. Idrissa Ganagay a fait deux passes clés. Donc vous voyez, Ganagay, vraiment, c'est un joueur de très haut niveau. Vous voyez, moi, premier, devant Neymar, 1,8. Di Maria, 3ème. Verratti, Meunier, 4ème. Donc Ganagay, statistique beau indi, il est soit 1er, 2ème ou le 3ème. Ça montre l'importance, l'impact d'Idrissa Ganagay dans le jeu du Paris Saint-Germain. Si vous voyez le duel aérien, Ganagay est normal, mais duel aérien, il est très bien. Ganagay n'a pas de serral. C'est comme Fabio Cannavaro, qui est très bien, il est très bien, comme André Ayou. Ganagay a remporté 75% de ses duels aériens. Ça montre que Ganagay, c'est un joueur qui est donc partout présent. Trop beau pour durer. Nous avons dit, est-ce que Ganagay ne peut tenir ce rythme? Parce que nous avons démarré, il faut dire que nous avons démarré, donc il faut dire que nous avons douté par rapport aux qualités, par rapport au talent de Ganagay de s'intégrer dans l'effectif du Paris Saint-Germain. En tout cas, Ganagay est bien parti. Nous verrons cependant dans une deuxième partie de la saison qu'à l'inverse, il existe certains domaines où il affiche avec Paris des statistiques inférieures à ses productions anglaises ou lilloises. D'un rôle, dans Ganagay, niveau de Nawati, par rapport à niveau plus amont avec Lille ou à la Everton. En tout cas, pour l'instant, Ganagay réalise ses meilleurs performances depuis qu'il a démarré à jouer au football. Ganagay a fait des performances. Il a fait des passes par match. Ganagay a fait des passes par match dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc, 91,2% de passes par match. Verratti, 90,13%. Thiago Silva, 83,4%. Donc, du point de vue performance statistique dans le jeu, Ganagay du Moramou, ben joueur Paris Saint-Germain, ça montre que Ganagay est le meilleur joueur actuellement du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va maintenir le rythme bi lola indi like may haa sa réponse en commentaire. Est-ce que Ganagay va maintenir ce niveau durant toute la saison? May haa sa réponse en commentaire. En tout cas, man gëm na né Ganagay il va tenir ce rythme parce que c'est le meilleur joueur actuellement du Paris Saint-Germain, le meilleur milieu de terrain récupérateur au monde. Dom Gagne Ngay, Warul Tiit, Warul Ragal, Moustapha Diouf momo fay mayna len Idrissa Gueyndioro. Légui ku bëgg abonner compte Instagram Grégoire Omnisport da ngay taper Grégoire tiré du bas Omnisport, Grégoire tiré du bas Omnisport,
page Facebook Grégoire Omnisport, Snapchat Grégoire Omnisport. Donc partout c'est Grégoire Omnisport. Moi Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, Grégoire Omnisport. Vous serez toujours informé sur tous les réseaux.